C'est bon les enfants, on est bien attachés. Mon petit papa d'amour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va pas parler Dragon Ball, mais on va parler Xbox. On va faire l'unboxing. Comme vous pouvez voir, j'ai reçu la bête ce matin. J'étais à chercher au Micromania Atlantis et j'ai mon petit colis. Donc on peut déjà voir la boîte. Déjà on peut voir, bon, le carton n'a pas été bien très très soigné, mais bon, l'important c'est que la console n'ait rien dedans. Allez hop, du coup on y va. Hop là, elle est lourde, elle est très très lourde. Alors on va déjà commencer par l'ouvrir et enlever les scellés. Allez, c'est parti. Voilà, les scellés ont été enlevés et donc on va maintenant l'ouvrir. Allez, hop, on partage ce petit moment d'ouverture. Et c'est super classe. C'est vraiment super classe. Hop, je vais pas petit déco derrière. Alors, donc là, on a la Xbox. On voit l'ouverture se faire relativement classe. Regardez, dans la présentation de Xbox, on a ouvert le capot, on la voit directement. Power Your Dream directement au-dessus. Allez hop, maintenant on va déballer le coco. Alors, nous avons donc dans le paquet, on va pouvoir peut-être remettre ça correctement. Hop, nous avons donc dans le paquet la Xbox. Nous avons aussi, et nous avons aussi ici le reste. Alors, on va voir ça, comme ça la boîte on n'a plus besoin. Donc, nous avons aussi ici le reste. Alors, on va ouvrir dedans. C'est rangé de cette manière, avec ici le câble HDMI qui vaut bien. On va pouvoir le voir ultra high speed. Ici, vous le voyez ici. Le câble d'alimentation. Et la manette. Et il n'y a rien d'autre. Allez. On va remettre la Xbox. Donc la Xbox se déroule comme ça. On va pouvoir l'ouvrir logiquement. Voilà, on l'ouvre par une simple languette ici. Et attention, on va enlever la languette. Voilà, on va maintenant enlever les petits scotch qui sont là, là et là. Et voilà comment se présente la Xbox. Donc déjà on voit là, elle est à l'envers. On va enlever ça. Et donc voici la console. Donc là c'est la console debout. On peut y voir, ah, hop, je sais pas si vous voyez ici, les petits patins ici pour la mettre sur le côté. Comme ça. Voilà, on peut la mettre sur le côté. Et là, ici, nous avons le socle pour la mettre debout. Donc, on voit les aérations. Et on peut. Alors, on va essayer de zoomer. On va essayer de regarder. Hello from Seattle, le petit message de Xbox. C'est assez simple. Alors du coup on a vu le petit socle, donc le petit premier effet, hop, on a le petit effet vert, voilà il est plutôt pas mal fait. Le bouton Xbox ici. Ici le bouton pour éjecter le CD, on met le CD. Et ici le petit bouton infrarouge, synchronisation et pour les télécommandes, plus un port USB. Allez hop, donc le petit logo Xbox ici. Enfin ici on a deux ports USB, 3.1 il me semble, Ethernet, carte d'extension pour la mémoire, le port HDMI en sortie et l'alimentation.
Voilà, et comme je vous le disais tout à l'heure, ici les petits patins pour le mettre sur le côté. La manette, hop, fournie avec des piles. Manette en main, voilà la bête. On sent très très bien les grippes. Ici là, vous pouvez voir les grippes, on les voit très très bien. On les sent bien. Très sympa. Pareil, les petits grips ici, on les voit bien. Donc, on les sent bien. Les petits sticks analogiques, ça, ça change pas, c'est cool. Le petit bouton cher en plus. Et le petit stick, on entend bien. Allez hop, c'est parti, je branche la console. Alors, on est parti. Et voilà, branchement simple, rapide, elle a très bien trouvé sa place sur le meuble télé. C'est vraiment magnifique. Allez hop, je vous laisse avec cet unboxing, je vous dis à bientôt les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.